Salut mes gamers, on se retrouve sur le 15e épisode sur Cartel Tycoon et le dernier. Et oui, je vous l'annonce, on va prendre notre retraite sur Cartel Tycoon pour le moment. On reviendra sur le jeu évidemment quand les devs nous pondront la mise à jour majeure qui inclura. Je sais pas s'ils vont inclure tout un coup, genre l'aéroport, la prison, tout ça, ou s'ils vont le faire en plusieurs patchs, plusieurs mises à jour, je sais pas. Donc on verra bien ça parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Il y a de nouveaux bâtiments aussi qui vont arriver, notamment la Syrie. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, l'usine de conserve. Après, on a toutes les nouvelles résidences aussi que j'aimerais bien voir, genre la résidence festive, j'aimerais bien voir la gueule qu'elle a. La fortifier aussi, voir la gueule qu'elle a, parce que les résidences qu'on a, là, c'est des classiques, voilà, c'est des jolies petites villas avec piscine, hein, non, c'est même pas une piscine, c'est une fontaine, ok, qui sont sympathiques, mais, bon, voilà, on aimerait voir le reste, donc on reviendra sur le jeu pour la suite. En plus, on a presque 10 millions, mais passé en argent propre dans les comptes, donc je pense que Don Patflouze peut partir à la retraite. Mais avant ça, on va quand même prendre notre dernier territoire. Alors, le problème, c'est que là, pour prendre le Schmilblick, j'ai pas 50 solutions, parce que tout le monde est occupé. Il y a, vous voyez, je peux pas vous cacher les... ouais, je peux pas cacher ça, les sites de production, bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, ils sont tous à des emplacements dans des ports ou dans des villes. Donc là, entre guillemets, je peux bouger personne. Si je bouge quelqu'un, je vais me faire... à voir et ça me ferait un peu chier, on va pas se mentir. On va baisser l'étoile, hein. Je suis en train de voir qu'on va attaquer une ville et qu'on a l'étoile pas au taquet mais pas loin, donc on va dire vas-y, baisse un peu le niveau. Donc j'espère que, enfin je l'ai lu, mais j'espère surtout que ça va inclure de nouvelles mécaniques, comme les unités militaires, tout ça. Ça va inclure de nouvelles mécaniques, à quel niveau, comment, je ne sais pas encore, j'ai pas réussi à trouver. Mais ça va être, je pense, sympathique parce que la base du jeu est très très bonne. Ouais, alors là, bon, c'est d'être opérationnel, c'est normal. Ils ont un peu de mal à produire beaucoup d'argent. Ça va monter par la suite, je me fais pas de doute. Il faut juste que le jeu tourne. J'ai pas tourné en off beaucoup depuis le dernier épisode. Donc voilà. Pensez à vous abonner et liker aussi les amis, ça me fait super plaisir, ça aide à progresser la chaîne et à montrer les intérêts que vous avez sur les jeux. Notamment là, je vais pas vous mentir, entre Cartel Tycoon qui s'arrête, The Tenant qui s'est arrêté aussi, on attendait mise à jour. Voxel qui vous plaît pas plus que ça, j'aurais pensé le contraire, mais ça a pas l'air de vous plaire plus que ça, les vues sont pas dingues. L'engagement est pas ouf, la durée de visionnage non plus. Donc je me dis, bon, ça sert à rien que je m'acharne sur le jeu si ça vous plaît pas. Le problème, c'est que j'arrive à court de jeu. Il y a deux jeux qui arrivent le 29 avril. Oui, on est en avril, le 29. Il y a Farm Manager que j'aimerais bien vous présenter. Je pense qu'il peut être sympa à découvrir, pareil, sur peut-être 4-5 épisodes. Et après, j'ai pas de grandes idées. Il y a Ancient Cities où ils sont en train de mettre à jour. Il y a des trucs qui sont arrivés dessus, de l'organique, mais il n'y a pas encore la chasse. Et ça va arriver. Et je vous ferai une vidéo une fois que la chasse sera arrivée où on verra la création de routes organiques et du village, comment ça se passe. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui s'arrêtent de fonctionner là. Bon, les gars, soyez mignons, brassez le pognon. Hein, brassez le flouze. On est à 11 millions propres et 3 millions sales. Ça va. On est bien. On est bien. L'étoile, elle va nous enquiquiner. On va essayer de pas la taper quand même avant de finir ce let's play quand même. Ce serait dommage. Enfin, ce let's play. Pour l'instant, sur le jeu, on reviendra, comme je vous dis, par la suite, sans problème et avec grand plaisir une fois que les devs nous auront mis ça. Mais, excusez-moi. C'est surtout, ouais, je voulais vous dire, si vous avez des jeux qui vous intéressent ou qui... Vous pensez où on peut faire peut-être des let's play dessus qui peuvent être sympas. Je suis preneur parce que là, pour le moment, j'en ai plein dans la liste des souhaits sur Steam qui est assez longue. Il y en a peut-être une vingtaine. Il y en a 2-3 qui arrivent en mai, mi-mai, entre le 10 et 20 mai, je crois. Il y a 2-3 jeux sympas qui peuvent être sympas à présenter. Mais là, il y a une espèce de trou pendant 2-3 semaines où
j'ai un peu de pas savoir quoi faire. Il y a Snowtopia que je vais vous faire une vidéo aussi dessus. Ils ont fait une mise à jour dessus qui est une mise à jour majeure, mais au niveau du gameplay mineure, c'est-à-dire qu'elle implante pas de nouveaux trucs de dingue dans le jeu, mais ça peut être sympa de voir ce qu'ils nous ont modifié. Oui, réduire la terreur, s'il te plaît. Donc j'ai 2-3 vidéos comme ça, un tel sacrifice, ouais, voilà. Peut-être refinir pour moi Empire of Sin, où j'avais fait un fameux live que certains ont vu d'entre vous, mais conneries de YouTube et conneries de ma part, le live n'a jamais été enregistré sur la chaîne et donc n'est pas visionnable. Et moi je l'ai perdu vu que je n'enregistre pas en même temps que je live, parce que c'est la galère. C'est la galère et le PC a du mal un peu à faire les deux. Ouais, je veux que tu fiches l'étoile, s'il te plaît. Voilà, qu'on se fasse pas enquiquiner. Mettez-vous au travail. Prends 150 000, vas-y, prends. Voilà, 150 000, c'est pas comme si on en manquait de l'argent. Par contre, c'est le respect. Ah ouais, le respect, il prend tarif. Il prend tarif. Tac, on va tout relancer. J'espère que ça va suffire pour remonter tout ça, pour remonter les pouces. Alors, ici c'est pris, là, ça va être galère. Je pense que même si j'envoie le capot, ça va pas le faire. T'as un argent propre, pourquoi tu fais la gueule? Prends de l'argent, vas-y, prends, c'est bientôt la fin, vas-y, prends. 8-2. Allez, on va essayer que ça se passe bien, c'est juste la dernière ville. De toute façon, la ville, là, elle avait quasiment pas de puissance, elle était qu'à 1. Vous voyez, c'est de tranquillou. Emily et gang, c'est parti. C'est parti, un affrontement, c'est pas vrai. Bank, ok. Allez, remontez-moi tout ça, vite, s'il vous plaît, les gars. Voilà, ça va arriver au taquet. Là, on demande une faveur. Maintenant, on rebaisse l'étoile encore, s'il te plaît. Réduire le niveau de terreur, vas-y. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment hyper puissant quand vous êtes en fin de game comme ça, de pouvoir faire ce que vous voulez. Autant avec l'argent que en termes de respect, c'est assez violent. Là, il faut attendre un peu, donc pas falloir faire de dinguerie. J'espère que là, ça va passer. On va aller ici. Et on va détruire les bâtiments au fur et à mesure. Hein, voilà. Allez, tape-moi tout ça. De la monnaie qui rentre de partout. Il y avait eu dans le dernier lab, si vous vous souvenez, on avait une saisie ici de la résidence. Je cherchais le nom, j'étais en train de bugger là. Je l'ai récupéré et racheté pour que 20 000 ou 12 000 dollars. Enfin bref, ça vaut vraiment rien. Par contre, est-ce qu'on peut péter le bâtiment? Ouais, donc ça c'est cool. Comme ça, ils vont pas nous le prendre. On va pas se faire enquiquiner la vie. Il a 8 de puissance face à 1, donc ça va assez vite quand même, hein. Ça tape, voilà, ça tape fort. Hein. C'est important de taper vite et fort. Et pour ce dernier, là, je pense qu'on peut faire un peu d'opium et d'exporter encore un peu plus d'opium via le relais. Ouais, pourquoi vous mettez tous à faire de la gueule là d'un coup là? Putain les gars, ça déconne, soyez mignons. Ok, donc ça c'est bon, c'est pris. Ça c'est bon, on va te péter, même si on s'en servira, enfin on reviendra une fois qu'on a pris la région, mais c'est pour que le moment il nous enquiquine pas avec à se faire prendre les bâtiments derrière. Un affrontement au séchoir, ouais, ça on s'en fout. Ah, on peut faire du canon. Ah ouais, ici, mais non. Au moins, je te donne une demonstration. Ah, mais toi tu m'en as, je crois que tu m'en avais déjà demandé une tout à l'heure. T'es où toi? Là, tiens. Prends ton augmentation. Voilà, petit montant. Comme ça, t'es content. Voilà, laisse-moi tranquille. Toi, prends vite le bâtiment. Là, c'est fait, c'est bon. Allez, d'abaille. Donc ouais, les amis, n'hésitez surtout pas à me faire des retours dans les commentaires ou dans l'espace commentaire de la chaîne. Vous avez un espace dans les onglets à droite où vous pouvez aller... Qu'est-ce qu'ils veulent ? 10 000 en liquide ? Mais easy. Alors attends, où c'est qu'on va aller chercher l'argent? Ici, là il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent. Ça on va le péter. Hop, voilà.
Bang, bang, oui, c'est chaud, a été pris, voilà. Ouais, dans les espaces commentaires de la chaîne, vous avez un onglet communautaire. Pour l'instant, je ne partage pas grand-chose dessus. C'est vrai, je pourrais vous faire 2-3 trucs. Si vous avez des idées de ce que je peux vous partager, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous, les amis. Allez, ah, petite sauvegarde. Petite sauvegarde, et pour me donner notamment des idées de jeux ou de let's play ou de découvertes qu'on pourrait faire. Parce que il y a des moments où on est un peu à court. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est livrer. Oui, livrer le pognon. Là, vas-y, livre. Combien tu livres? 8 000. Ouais, 2 voyages, c'est bon. Ça va être vite fait parce que 10 000, c'est vraiment ridicule. La police n'est plus sous votre contrôle, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, toi, on t'a déjà demandé une faveur. Toi. Toi aussi. On a d'abord demandé beaucoup de faveurs en peu de temps, là, à tout le monde, là. Allez, toi. Sois mignon, contrôle-moi les flics. Figez l'étoile, oui. Voilà, s'il te plaît, blablabla, bla bla. Prends tes 150 000, blablabla, bla bla. Merci, on est à 11 millions, tout va bien. La police est sous votre contrôle. Bon, le respect a pris une grosse claque dans les dents. Corrompre le maire, ça c'est fait, ok, prendre la ville, blablabla. Bla bla. Non, on y va de suite. Ok. Attends, et toi, arrête tes livraisons et va en ville. Viens de là. Voilà. Hop, hop, hop. Là. Et là, on est bon. Et là, ici, est-ce qu'on peut construire une banque? Oui. Donc, construire une banque, toi, tu m'emmerdes. Ce n'est pas mon problème. Allez, vas-y. Fais monter la notoriété, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un bâtiment spécial ici? Non. Par contre, on va mettre le centre de recherche avant que je l'oublie. Ça, j'avais fait faire la boulette. Et petit casino. Ouais, petit casino, on le fera en argent sale. Voilà. On va construire évidemment une résidence. Qu'on pètera par la suite en fonction de ce qu'on a besoin. Ah, mais on peut prendre quasiment tous les bâtiments si on la met genre là. Là, elle prend tout. Au bord des champs. Voilà. Une petite route. Je finis avec vous, les amis, vraiment tranquille en mode détente pour ce dernier épisode. À l'heure actuelle sur Cartel Tycoon, où comme je vous promets on reviendra dessus par la suite avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut les péter celle-là? Je sais plus. Non, c'est là. Supprimer. Ah oui, on peut supprimer. Alors déjà tout ça on va péter. On va refaire la route propre et on va... Qu'est-ce qu'on va faire les amis là-dessus? Ouais, je pense qu'on va faire un peu d'opium, hein. On va pas se prendre la tête. Voilà. On va créer un truc d'opium. Toi, tu pourras aller chercher de la... Toi, ça va te faire de la route, par contre, hein, pour aller chercher de l'argent. Parce que l'opium... Ah, coca. Ah, on peut faire un peu de coca ici. Ok. Est-ce qu'il y a des légumes? Légumes? Coca? Coca-légumes? Coca aux légumes? Coca aux légumes. Allez, ça va être bon. Ok, tout ça, c'est bon. Alors, toi... Attends, on va te dispatcher un peu d'argent. Va en chercher. Ouais, là-bas, ils en produisent pas tant que ça. Peut-être un peu ici. Ah, ça te fait vachement loin. En fait, t'es loin de tout, toi. T'étais vraiment mal foutu comme principe. Parce qu'ici, y a même pas de réserve. C'est pas terrible. Donc, tu prends là. Là, ici, t'as tout ça. Et en plus de ça, tu vas aller aider le parc d'attractions, la banque. Et le casino ici. Voilà. Pour l'instant, tu vas faire ça. Et après, on verra par la suite. Donc, petit point de coca. Ouais, puisque de l'opium. Oui, on pourra en faire à 100%. Mais bon. Tant qu'à faire un peu de coca, c'est bien. Allez, je fais ça avec vous, les amis, vite fait. J'espère que ça va pas me prendre 2 heures. On va essayer de faire ça vite et bien. Coca. Coca à 60%. Voilà. Genre, on va mettre 2 plantations. Plantation. Un dépôt, évidemment. Toujours penser au petit dépôt, c'est pratique. Tu prends pas le. Attends, dis-moi que tu le. Ah ouais, faut que tu sois vachement haut quand même. Et mets-toi là alors. Ou plutôt là. Ouais, non, plutôt là. Ok, prends ça. Bam. Vas-y, roule ma poule. Là. Tac.
on optimise un peu comme ça vient. Hein. Franchement, là, je me prends plus trop la tête. Ça va fonctionner dans tous les cas. On peut même faire une route là, qui relie ici et d'ici. Comme ça, on pourra mettre en argent sale par la suite. Voilà. Si on veut. Donc, coca, ça, c'est bon. Par contre, il faut un séchoir. Production, séchoir, 3, coca séché. Voilà. Est-ce qu'on met une usine chimique? Oui. On va mettre une usine chimique 2 pour faire... Ah, je sais plus si c'est de l'acide. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Logistique, atelier, niveau 3. Tac. Et ici, par contre, on va changer la production le plus vite possible. Ah, j'ai oublié les légumes aussi. Faut que je mette les légumes. Alors, cocaïne, on va mettre en légumes. Oui, parce qu'en café, on ne peut pas produire ici, je crois. Non. On va se servir des légumes. Voilà. On est pile sur la zone, mais c'est pas très grave. Légumes, coco. Non, toi, ok. Et par contre, il faut un truc pour produire la cocaïne. Comment on fait déjà? Merde. Chimique, hein. Atelier, laboratoire. Ah, voilà. Laboratoire 3, cocaïne. Non. Cocaïne. Voilà. Légumes. Ressources, plantation, 3 légumes. Légumes. Légumes, on va en mettre... Est-ce qu'on en met 2 ou une? On va en mettre 2, si on peut. Non, on peut pas. On va en mettre une là. Voilà. Yep. Toi, viens dès là. Viens dès là. Toi, on va te couper là. Comme ça, ça raccourcit un peu la route. Ça fera pas de mal au camion. Qu'est-ce qu'il y a ici? Trop de feuilles séchées. Voilà. Allez, videz les stocks. Bang, 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 casino. Ça va remonter, ça va remonter. Vous inquiétez pas, de toute façon, de l'argent. Pff, on est bientôt à 12 millions. En 10 minutes sur Club de Salsa, c'est d'être opérationnel. Ok, right. Donc ça, c'est cool. On rentre du flou en pagaille. On va vraiment prendre notre retraite tranquille. Tranquillement. Centre de recherche. On a tout recherché, hein. On est d'accord, ouais. On est au taquet partout. Je sais pas s'ils vont en inclure des nouvelles dans les futures mises à jour. Ça serait pas, peut-être pas mal. Ça serait peut-être pas mal d'avoir quelques mises à jour. Alors, toi, là, ça tourne ici, machin. Truc, bidule, logistique, cocaïne, pam, là-bas. Ici. Ça vous fait de la route, mais c'est pas grave. Légumes, café, nanana. Donc tout ça, ça tourne. Toi, tu produis ça. Et toi, si on te met ça, acide... C'est de l'acide hein, qu'il te faut. Donc on va te mettre une usine en plus pour produire... On va mettre en niveau 2, je pense que ce sera pas mal. Voilà. Ah non, on va peut-être la monter à niveau 3 parce que vu qu'elle produit pas grand-chose, elle est pas optimisée ici et on va te mettre de l'acide en plus. Voilà. Il en faudrait peut-être une deuxième. Mais après, les camions vont commencer à être débordés. Il faudrait peut-être un autre dépôt. Ah, tu l'as pas là-bas. Hop. Et celui-là? Non plus. Voilà, vas-y, roule ma poule. On va chercher 196 légumes. Ok, on va couper. Videz-moi un peu les stocks. Là, ici aussi. Là, c'est bon, blablabla. Allez, c'est parti. Légumes au coco, à la farine, c'est exporté. Parce que, pour rappel, le... Ah, le checkpoint, il peut embarquer jusqu'à 3 trucs différents. Donc, on exporte des légumes classiques, en mode... on est un fermier maraîcher. Des légumes à l'opium, et là maintenant il va avoir des légumes à la coca. Voilà, et là 2000 hein, d'un coup, bam. Là ça va exploser le budget, voilà. Là ils vont faire de l'argent, et toi, tu vas pouvoir en faire rentrer de l'argent sale et me faire tourner tout ça bien comme il faut. En sachant que toi aussi, là normalement t'es pas mal. Hein. C'est juste que t'as les camions qui doivent courir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Hop, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Au niveau des étoiles, on est bon, au niveau des ressources, on est bon. Il y aurait de l'optimisation à faire au niveau de la production. Parce que là, la réserve est pleine. La réserve est pleine. Et là, ça dégueule de partout. Ça dégueule de partout, mais c'est pas grave. Ça tourne. Toi, pourquoi tu fais la gueule? Argent sale. Hein? Mets-toi là. On a plus d'argent sale ici. What the fuck? Thank you.
Ah mais il exporte plus rien là ce con. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'exportes plus autant? Qu'est-ce qui te manque? Café, ça c'est bon, donc on va en couper une. Il te manque de la feuille. Eh ben, vas-y, feuille. Voilà. Faut te demander. Et on va relancer 2. 3. Allez, on relance tout. On relance tout à bloc. Il faut que ça produise, qu'on fasse du flouze pour la retraite tranquillou. Ici, gros carnage. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la résidence n'arrive pas à gérer tout le pognon. Voilà. Et là, on est à 10 sur 10 prochainement. Ok. Donc, je sais pas s'ils vont mettre 10 pour le tout. C'est-à-dire, par exemple, 2, 4, 6, 8, 10. Il faudra faire un choix après ce qu'on fait. Ou si on pourra faire 10 de chaque. Et si on fait 10 de chaque, là, ça fait beaucoup de résidences. Mais ça sera peut-être utile pour gérer justement tout le schmilblick. Parce que là, on voit que la maison, elle a du mal. Et en sachant qu'elle s'occupe en plus de là-bas. Ouais. Elle a un peu de mal. Et en plus, il n'y avait plus d'argent au port. Donc voilà. Ça va aller mieux. Ça va revenir. Ça va se relancer. Tranquille. D'où l'idée de ne pas trop couper les productions quand même. Et à la limite, on pourrait même se faire plaisir à relancer ici. Hein. Ah, mais toi, tu commences à avoir beaucoup aussi d'endroits à gérer. En plus, t'as pas d'argent en stock. Donc c'est pas grave. On va te laisser tranquille. Toi non plus, t'as plus d'argent en stock. Ok, donc là, faut vraiment que le port, il se relance. Faites de l'oseille, les gars. Allez-y. Ouais, il est parti qu'avec 9, ouais, donc c'est normal. C'est pas très... Là, il y en a 40 déjà en stock. Ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux par la suite. Et on va prendre notre retraite avec pas loin des 12-15 millions dans les poches. Donc, ce sera vraiment bien. On sera tranquille. Et là, sur le jeu, on a tout fait, les amis, hein. On a conquéri tous les territoires. On a toutes les villes. On a toutes les chaînes de production. On a de l'opium. On a de la coca. On a la meth. On a... Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre? Et je crois que c'est tout, hein, ce qu'on peut produire. Ça, on a. Canon aussi. On a café, on a. Poule, on a. Cocaïne, opium, on a tout. On a tout de tout. Je sais qu'il y a aussi des nouvelles ressources de drogue qui vont arriver, d'exportation, enfin des trucs illégaux, qui vont arriver dans le jeu. Ça, je l'ai lu sur une roadmap des développeurs. Et ils vont implanter aussi de nouvelles ressources et de nouvelles productions. Donc, je pense que l'aéroport va jouer un rôle là-dessus. Et peut-être la prison. Quels produits ils vont nous implanter? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Parce que là on a quand même les drogues principales, à moins qu'on ait le chichon, peut-être avec le cana, ouais, on devient le cana peut-être, ouais. Peut-être des trucs comme ça, dites-moi si vous avez des idées dans les commentaires les amis, en tout cas n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'organisation a commencé à enquêter sur Checkpoint, eh bien évidemment, ouais, faut couper Checkpoint. Et oui, on a plus le contrôle sur les étoiles. Pas très grave, franchement on est bien, on voit que ça circule, il y a des camions de partout sur la map, des ressources de partout sur la map, surtout ici, là ça transite, là il y a une espèce de carrefour avec les trois villes, là ça brasse beaucoup, donc vraiment très rentable, et on a 12, 13 millions, on va atteindre les 13 millions pour la fin de l'épisode et partir à la retraite avec du flouze plein les poches. Donne pas de flouze, peut lâcher. What? Ah, il m'a fait une dinguerie. Ah, pour finir le live, qu'est-ce qu'il me fait, lui, comme dinguerie? Qu'est-ce qu'il me fait? José est désormais farouche. Qu'est-ce que tu me fais comme dinguerie? Préparation de cambriolage. Ah, putain, mais c'est à l'autre bout de la map, espèce de taré. Et ici, on va se perdre la ville à cause de ce mongolito qui va nous faire une dinguerie. Putain, mais qu'est débile. Qu'est débile. Il va à l'autre bout de la map. Tout ça parce qu'il était pas content au niveau du budget. Mais putain, mais les gars, je vous paye. Arrêtez. Arrêtez avec vos délires là de vouloir tout le temps plus. Ouais, tous ils sont passés en pas bien là. En pas bien du tout. Donc on va éviter les dingueries. Ça a l'air bon. Et toi, tu vas me faire un cambriolage. Mais mec, tu demandes de l'argent juste. Tu m'as pas fait une réclamation, tu m'as rien demandé. Espèce de curé de mes deux là. Tu m'as rien demandé. Juste t'as fait ta dinguerie, voilà. T'es content, t'as fait ta connerie. Putain, sans déconner. Et j'espère qu'on va pas perdre la ville. Hein. Ok,
C'est bon, t'es content, merci, on a fait monter les étoiles, tout va bien. Allez, viens, viens là. Viens là, fais paillèche. Prends ton argent propre. Tiens, je vais te mettre en argent propre et je vais te monter loyal comme ça. Zélé, pardon. Ça, tu m'emmerderas plus. Ouais, c'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent ici. Ouais, non, mais les gars, vous exagérez, sans déconner, c'est pas sympa. Bon, sur ce, mes gamers, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le let's play vous aura plu. On s'arrête là pour le moment. On reviendra, comme je vous dis, sur le jeu une fois des mises à jour faites avec la prison. La prison et l'aéroport m'intriguent beaucoup. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous pondre avec ça. Si vous avez des idées, évidemment, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve sur la prochaine vidéo. A plus. Ciao, ciao.